Urgence santé, SAMU 93, bonjour. C'est une école primaire, c'est ça? D'accord, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes à l'étage, vous êtes où? L'assistant de régulation médicale et l'agent d'assistance publique qui travaille au SAMU et qui décroche le 15 pour apporter une aide médicale, une assistance médicale à la population dans son bassin de vie. Vous êtes de quelle ville, madame? Vous êtes de quelle ville? Livry-Gargan. À quelle adresse à Livry-Gargan? On sécurise l'appel dans un premier temps pour savoir où se trouve la personne, pour envoyer les moyens directement sans perdre de temps. En étant assistant de régulation médicale, nous sommes le premier maillon de la chaîne des soins. On fait des premiers gestes d'urgence. Des fois, on guide des massages cardiaques par téléphone. Dites-lui de lever les deux bras vers le haut et dites-moi ce qui se passe, madame, s'il vous plaît. Chaque appel est régulé par soit le médecin de la PDS ou le médecin AMU. Oui, c'est un appel à Épinay-sur-Seine pour un monsieur de 89 ans. Malaise, somnolent, j'ai mis les pompiers. Je vous la passe. Des fois, lorsqu'on décroche le téléphone, on sent que le stress monte. À ce moment-là, il faut savoir gérer son stress pour être opérationnel. C'est forcément, il faut être empathique avec ceux qui appellent le 15. Voilà. Parce qu'en général, derrière chaque appel, il y a toujours une souffrance, il y a toujours une aide à apporter. La fièvre, et là, il a 40, hein, c'est ça? D'accord. Mais ne quittez pas, bon courage à vous, madame. Pour faire ce métier, il faut passer le concours pour entrer au centre de formation de régulation médicale où on est formé durant 10 mois. C'est un métier attractif, tu as 35 heures de travail, une plage horaire de 24 heures. On peut travailler soit du matin, d'après-midi ou des fois de nuit. C'est un métier qui recrute beaucoup en ce moment. C'est un métier qui est très attrayant. On apprend beaucoup, notamment avec les collègues et les collègues médecins et les collègues ARM. C'est un métier d'avenir qui est en pleine reconstruction. On peut être ARM et aussi coordinateur, aussi au fur et à mesure monter les échanges. Je suis heureux dans le métier parce que tous les matins, quand je me réveille, je sais que je vais aider les gens.